Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas ce qu'on va y mettre. On va mettre des yeux les plus simples. Maintenant, on va passer à la résine. Donc, dans l'heure, on va vérifier qu'il soit bien bien sec. La résine et l'eau, c'est pas trop ami. Notre résine. Un pinceau. On va les placer au soleil. On va dire une bonne petite heure. Une heure, c'est très bien. Ça va permettre que ça sèche bien comme il faut. Cette résine est achetée sur AliExpress. Mais franchement, elle est très bien. Elle est résistante, que ce soit au choc ou au croc des poissons. Elle sèche facilement. Il faut éviter d'être trop généreux avec la résine parce qu'elle est épaisse. Et au bout d'un moment, elle descend. Donc, si on en met trop, on finit avec une grosse bulle de résine sous le ventre du lard. Mais c'est vraiment pas génial. Donc voilà, on va les faire sécher une petite heure et puis on verra le rendu une fois terminé. Quant au pinceau, une fois utilisé, si vous ne voulez pas en passer 200 dans une saison,
C'est tout simple. Un peu d'essuie ou papier toilette, un peu ce que vous voulez. Un peu d'alcool à 95. Et ça nettoie très bien, ça permet de réutiliser les pinceaux. Et voilà, a réussi exactement. Alors, quant à notre lore qu'on avait préparé pour l'aérographe et qui a échoué, j'aime pas l'échec, c'est quelque chose qui m'énerve. Donc, je l'ai nettoyé et je vais réessayer, mais je vais changer la gamme de peinture. Au lieu de prendre mes encres Liquitex, je vais essayer avec la gamme Fevicryl. Toujours pareil, peinture acrylique. Donc, un bleu métal. Un violet métal, du gris, je sais pas si je le mettrai, mais j'ai pris du gris, du rose, et le noir pour couvrir. Donc, on est reparti. Donc c'est parti. On va attaquer avec le bleu. Alors ces peintures là sont pas chères du tout, par contre elles sont très bien, parce que même les métallisées, pailletées ou non pailletées, passent très bien à l'aéro. Alors elles sont un peu épaisses, hein. Des fois il faut liquifier certaines, diluer par exemple. Dans l'ensemble, c'est de très bonnes peintures. Des jolis reflets bien bleu métal. Je les trouve intéressantes. Après il y a mieux et il y a pire. On va passer au violet. Thank you.
entre chaque couleur. Je nettoie l'aéro parce qu'elles sont plus épaisses et elles se mélangent beaucoup moins bien que les Liquitex. Donc je prends la peine de nettoyer. On passe au rose. Ah, c'est pas que j'y mette du gris au final. Je vais le laisser comme ça. On va le laisser sécher comme il faut. Et on réessayera avec le polyvinyle. Toujours à la bombe. J'en ai fait un autre, entre temps. Donc celui-là est prêt. On va y mettre le liquide vaisselle. Et le couvrir. On va le couvrir. Couvert, toujours pareil, on va le laisser sécher, on voit après. Voilà, donc on se retrouve avec notre leurre à l'aéro qui est prêt à être couvert de liquide et recouvert après une autre couleur. Et donc le dernier que j'avais fait, qui est sec, rincé, il restera plus qu'à le résiner. Donc on va s'occuper en premier de celui à l'aéro. Et puis on mettra la résine et les yeux sur celui-ci. Donc, celui-ci. Je vais couvrir toujours en noir et je vais rester dans la gamme Fevicryl pour voir si c'est de la résiste. Toujours le petit récipient. Notre verre. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Plus d'un côté que de l'autre, pas évident à faire. On va mettre notre noir d'un aéro.
en espérant que ça marche. Sinon, c'est que ça ne résiste qu'aux peintures en bombe. C'est déjà pas mal. Pourtant, ça reste de l'acrylique. Donc, on est parti pour le noir. Enfin, quand on passe à l'aéro, ça marche. On voit que la peinture ne prend pas là où il y a le liquide. Laisser sécher comme il faut et on rince en espérant que chaque fois il marche. Donc du temps. On va passer la résine sur celui-ci. Toujours notre résine, notre pinceau de tout à l'heure qu'on a lavé. Mettre les yeux en premier. Et donc on passe à la résine. Mettre ça au soleil et on vérifiera ça une fois sec. Donc voilà, il est censé être sec. Maintenant on va passer à l'étape du rinçage. Ça va être l'épreuve de vérité pour notre leurre fait avec l'aéro. On rince et on voit ce que ça donne. Bon, ben c'est plutôt concluant. Les peintures Fevicryl tiennent le coup. Donc là, il est juste rincé. On va le laisser sécher. Et puis, on passera à la résine. Voilà, notre leurre est sec. On va y placer les yeux. Et puis, la résine.
Allez, on passe à la résine. Et puis on verra le rendu de tout ça une fois qu'ils seront tous secs. Toujours pareil, notre petite résine, notre pinceau. Au final, les couleurs de l'aéro sont plutôt bien. Ça fait assez chouette. Quant au motif, même s'il reste aléatoire, ils sont jolis aussi. Alors je suppose que pour tous ceux qui utilisent du Createx, du Wicked Color, du Valero, ça doit tenir sans problème, je pense, par ce procédé-là. Moi, je n'utilise pas parce que j'ai tout un stock de peinture. Et je veux pas le jeter, donc je l'utilise pour mes dents. Sécher celui-ci aussi. Et d'ici une petite heure, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, on a laissé passer notre petite heure. Les leurres sont secs. Et donc il est temps de voir le résultat une fois fini, résiné. Ça a quand même bien marché. Là, on a notre fameux leurre fait l'aérographe. Avec les gammes de peinture Fevicryl. Puis là, trois autres petits que je me suis mis à faire. Un peu dans le même style que les autres. Celui-là, toujours à la brosse à dents. Avec une brosse plus dure, ça marche beaucoup mieux. Plus de projection.
Voilà, on se retrouve avec des motifs qui sont quand même plutôt originaux. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous intéresse. Quand il y aura des vidéos, vous serez averti. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo.